Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Après ces quelques semaines de congé, Monsieur Green est ravi de vous retrouver. Les vacances sont finies, la rentrée scolaire est imminente, c'est donc le moment d'effectuer une petite rétrospective sur les événements qui ont marqué la période estivale. Tout d'abord au niveau météorologique, le mois de juillet 2019 a été une fois de plus un record de température à travers le monde. Différentes périodes de canicule ont été observées, mettant à rude épreuve notre environnement, mais également les populations, dont celle de juin, qui a détrôné les records de 2003, puis celle de fin juillet. Un mois d'août particulièrement frais en matinée et soirée, suivi de nouvelles montées en fin de mois. Ces périodes ont un impact direct sur la santé humaine, avec des décès recensés à travers le monde, mais c'est également un impact négatif sur la végétation, avec une perte du feuillage, des plantes et des arbres, comme en Méditerranée par exemple, où des vignes entières ont grillé dans le Gard et dans l'Hérault. Les océans et les mers ne sont pas en reste. La mer Méditerranée a vu sa température passer de 30 à 32 degrés près du littoral, un nouveau record. Quel degré de réchauffement le milieu halieutique peut-il supporter avant de s'effondrer? Cette sécheresse installée est la cause de nombreux feux de forêt qui ont pu être constatés également à travers le monde. En France, par exemple, des feux sont signalés tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs suivre à tout moment ces phénomènes sur le site feuxdeforêt.fr. Dans les régions arctiques, de nombreux feux non maîtrisés ont brûlé des millions d'hectares de forêt comme en Sibérie, avec plus de 12 millions, au Groenland ou encore en Alaska. Ces événements sans précédent démontrent que l'Arctique subit le réchauffement climatique deux fois plus vite que le reste du monde. L'émanation de plusieurs mégatonnes de CO2 réduit le pouvoir réfléchissant de la glace, accélérant sa fonte en stimulant l'absorption du rayonnement solaire. Pour cette région du monde, un modèle scientifique annonce 5 degrés de réchauffement d'ici à la fin du siècle. Un autre problème directement lié à ces sécheresses soutenues est la ressource en eau. Combinés à l'agriculture intensive, les petits cours d'eau sont devenus secs et ont accentué la colère des populations qui voient tout l'été des champs de maïs destinés à l'export être arrosés nuit et jour au détriment du local. N'oublions pas que l'eau, même si nous avons l'habitude d'en acheter en grande surface, est un bien et une ressource inconditionnelle à l'humanité et à l'ensemble du vivant. De cette période, nous retiendrons qu'aucun gouvernement n'a pris de décision efficace pour protéger les populations, mais également l'environnement. Le business demeure, pourtant, les années futures suivront ce même procédé exponentiel. Aux effets naturels de réchauffement, nous pouvons également ajouter les fous, qui en rajoutent une couche, comme le président Bolsonaro, qui a décidé d'éradiquer la forêt amazonienne, les espèces qui y vivent, ainsi que les autochtones pour plus d'espace exploitable, pour une croissance qui sera juste imperceptible pour tous ceux qui souffrent d'observer leur environnement disparaître. Depuis mi-août, les forêts brûlent, déclenchant sur les réseaux sociaux un mouvement anti-Bolsonaro avec un hashtag Pray for Amazonia. Que fait la communauté internationale? Qu'attendons-nous pour imposer des embargos et contraindre au respect environnemental? Rien, au contraire. Après un premier accord de libre-échange avec le Canada appelé CETA, un autre est envisagé avec le Brésil appelé Mercosur. Le besoin de croissance pour les élites mondiales semble être la seule réponse acceptable dans un monde qui pourtant semble être à l'agonie. La question qui doit être posée est la suivante. Nos gouvernants travaillent-ils pour le bien-être commun ou sont-ils encore coincés dans un ancien monde qu'ils essaient de maintenir alors qu'il s'écroule sous nos yeux? Ces deux traités de libre-échange sont à l'antipode des résolutions du GIEC et de toute esquisse de la sauvegarde de notre environnement qui, je le rappelle, est le garant de notre vie sur Terre. Fort émetteur de carbone pour des produits de consommation futile, pour de l'alimentation non respectueuse des normes européennes et pour couronner le tout, qui donne les pleins pouvoirs aux multinationales qui estimeraient être lésées par les États. Ces traités sont des catastrophes supplémentaires démontrant l'inconscience de nos dirigeants. Un autre événement a suscité l'émoi cet été au Brésil et à travers le monde, l'assassinat d'un chef Wajapi,
relevé comme un symptôme inquiétant de l'invasion des terres autochtones par l'ONU. Le pillage, comme celui des colons, n'a aucune pitié. L'or, la richesse, la cupidité n'est arrêté par aucune éthique. Les orpailleurs, les bûcherons, les agriculteurs veulent leur part du gâteau sous couvert gouvernemental, bien évidemment. Le rapport IPBES avait pourtant signalé l'importance de protéger les peuples autochtones comme garants des savoirs ancestraux et surtout comme peuple ayant la capacité de vivre en harmonie avec la nature, connaissant ses limites et ses besoins. Depuis le début de l'année, 127 militants écologistes ont également été assassinés à travers le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un obstacle au business, destructeur, mais à forte valeur ajoutée pour ceux qui les initient. Cet été a également vu l'enfer des migrants piégés au milieu de la mer, avec des ONG bloquées, attendant un port d'accueil et voyant toute demande d'accoster refusée. La capitaine du Sea-Watch 3, Carolina Rackete, a été arrêtée le 29 juin pour avoir forcé l'entrée du port de Lampedusa en Italie. Pratiquement accusée de terrorisme, elle a réussi à inverser la tendance. Cependant, l'Europe n'est pas claire sur son action quant à l'arrivée de nouveaux migrants. Pour faire simple, soit nous décidons d'accueillir, soit nous acceptons de les voir mourir. Certains diront que le développement de leur pays est un moyen de les empêcher de migrer, pourquoi pas. Mais nous sommes tous objectifs sur le degré de corruption qui gangrène les États, y compris le nôtre. Vers quel monde va-t-on ? Un monde sans morale qui ne respecte aucun droit universel, vers plus d'individualisme pour conserver le peu que l'on a, vers la guerre plutôt que la coopération. Est-ce notre choix ou celui de nos dirigeants ? Qui ont toujours de très belles paroles, mais qui dans les actes font l'opposé, qui nous demandent rigueur et austérité, alors qu'ils festoient tous ensemble. D'ailleurs, vous l'aurez noté, nous avons changé de ministre de l'écologie. Au 1er août 2019, le monde avait consommé l'ensemble des ressources naturelles que la nature peut renouveler en un an. En France, il s'agissait du 5 mai. Pour situer l'urgence climatique, un rapport estimait que nous avions jusqu'à 2030 pour confiner le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Cependant, une nouvelle étude parle maintenant de 18 mois pour modifier nos comportements sur l'extraction des énergies fossiles et leur utilisation. La banquise devait fondre totalement d'ici à 2050. Or, elle a complètement fondu cette année. Les modèles climatiques appliqués par les scientifiques ne prennent pas en compte les rétroactions qu'engendre le réchauffement. Aussi, l'étau se resserre plus rapidement que prévu sur l'humanité. Dans une période contemporaine où les ressources pour développer de la croissance s'amenuisent, où les actionnaires souhaitent voir leurs dividendes toujours plus hauts, quelle est donc la solution pour gouverner un grand pays ? Installer plus d'autorité, de contrôle et atténuer les voix dissidentes. Voilà donc le portrait dressé de cet été 2019, un chaos en cours qui devrait se relancer à la rentrée avec une manifestation mondiale pour le climat, le 20 et 21 septembre, mais également des mouvements sociaux dirigés vers les prochaines lois débattues, comme celle des retraites. Lorsqu'on apprend de chez soi l'ensemble de ces actualités, comment peut-on envisager un futur sans radicalité, sans choix tranché, pour choisir le monde dans lequel nous souhaitons vivre ? L'emballement climatique va engendrer des pénuries alimentaires, un manque de ressources en eau, une disparition des terres arables, finalement tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Or, la privatisation globale du vivant est une menace pour celui qui n'aura pas l'euro nécessaire pour survivre. J'espère donc que vos vacances vous ont permis de vous reposer, car la suite du monde semble tumultueuse et va nous demander du sang-froid et beaucoup de coopération. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui ! Green, comment ? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois ? Mais tu vois le green, green, absolument. Green, green, green.